¿Vale? Est-ce que vous avez déjà un petit coup de fatigue? Mr. Connors to serve in the final set. Order to my sit down. Want to sit down, please? Même si on a eu des hauts et des bas. Just one minute. Dernière manche donc, et Connors se termine. Thank you. A reçu le service de Lendl au Taïwan. Il y a tout dans ce match, il y a le suspense et l'intensité. C'est un peu une tragique comédie en trois actes. Technique qui consiste à mordre la balle dans sa raquette comme ça. À quel tour Evan Lendl. Quel effort, il s'est jeté aussi sur cette balle, en pure perte. Il a quand même de la ressource encore. 45. First game, final set. Il y a que ça l'a relancé là, Jimmy Connors. Et maintenant 0. Bah évidemment, il y a de quoi être relancé. Elle a dit, Ivan Lendl est allé chercher deux balles, deux efforts considérables. Un garçon en pleine santé, je vous l'ai dit, il fait un régime. Il lui a prescrit un médecin. Il a d'ailleurs expliqué que pour déterminer la nourriture qu'il devait prendre, on lui avait fait une prise de sang, on avait analysé son sang et on lui avait dit vous manquez de ceci, en revanche vous avez un peu trop de cela. Alors voici ce qu'il faut que vous fassiez, quelle nourriture vous devez prendre. C'est un petit peu comme chez les dames Martina Navratilova.
Time? Seats quickly, please. Lui réussir, Ivan Lendl, parce que... Je veux dire qu'il est en pleine forme. Pleine forme physique. Please sit down behind the court. Il a dit qu'il espérait devenir encore plus puissant. Plus rapide et plus puissant. Rapidité, je veux bien, mais la puissance, je pense que ça donnera, parce que quand il se met à balancer ses grands coups droits et ses grands services, et ses grands revers aussi, parce qu'il a de belles accélérations, s'il gagne encore en puissance, c'est pas fantastique. Encore retombé sur la ligne. Au premier set, il en a réussi une comme ça aussi. Alors, la réussite peut-être pour compenser le handicap de l'âge, mais quand même, à 32 ans, il faut vraiment faire ce que fait Connor. Un peu trahi par son cœur, par sa première balle. Et 15-40. Cette balle en jeu et après a pris carrément l'initiative de l'échange. Et 2-0 pour Connor.
15 luck. J'ai jamais vu faire ça, hein. Regardez cette amorti. Formidable, formidable. Avoir un contrôle de la balle à ce point-là, sur un échange qui va si vite pour arriver d'un seul coup à amortir la balle comme il vient de le faire. Quel toucher de balle, quelle technique. Alors ça fait 15-0. There you go. Mulandel frappe et plus ça revient fort. Bon coup évidemment. Et là il avait une belle position d'attaque. Il avait complètement sorti l'handle du court sur cette première balle. Égalité. Avantage Connor. Advantage Connor. Tactiquement, voilà un point admirablement mené. Parce que vous avez vu cette énorme balle. Connors leads 3 love. Lissée, haute, profonde, qui a repoussé Lindel très très loin derrière la ligne de fond. Et après ça, cette balle prise au sommet du rebond est complètement écrasée par Jimmy Connors. Cela lui permet de mener maintenant 3-0.
ce serait sympa si le réalisateur nous repassait cet échange. Qui avoue qu'il adore jouer au Madison Square Garden parce que il aime énormément le public qui vient l'encourager forcément. Il fait un tel spectacle que le public l'adore. Seats quickly, please. Tout le public s'investit dans Connor ici au Madison. Et quand il réussit un de ses coups dont il a le secret, eh bien. C'est tout le public qui gagne avec lui. Ah, évidemment, c'est important pour un joueur de se sentir soutenu et entouré d'admiration et de l'affection hein, du public. C'est pas un mot trop fort. Lindell au service, 3-0 Connor. Dernière main. Hop. 15 love. 15-0. Quatrième double faute de Lindell et 15 partout. Faute de pied et balle trop longue. Balle très difficile à négocier car elle retombait derrière le filet. Étonnant car sur son passing, Lindell s'était pratiquement arrêté de jouer. Regardez, il va faire son passing et il va rester. Ah, on le voit plus là. Il était resté arrêté, croyant qu'il était passé. Tiens là, l'adresse de Connor. Game Lindell. Et jeu Lindell. Jeu Lindell qui est quand même mené 1-3. Leads 3-1. Il y a donc un service de retard sur Connor. Ah oui, Connor s'était allé chercher un passing shot que Lindell croyait véritablement gagnant. Il ne s'était même pas replacé, Lindell. Regardez la balle. Eh oui, parce que là, il vient de faire une faute qui s'explique mal à son niveau, là, Ivan Lindell.
Ground Zero. Phénoménal, exceptionnel. J'ai vu comme il lève les bras en signe de victoire après. Et le public se veut aussi, en levant les bras comme ça. Extraordinaire. Parce que vraiment, il est allé chercher. Bon, d'abord ce bras roulé là. Et il va chercher la balle là-bas. Quel déplacement. Et il revient à toute allure pour passer là. Regardez ça. Hop. Extraordinaire. 40-0. Franchement, je n'ai jamais vu jouer comme ça, Jimmy Connors. Et je, Connors, bien sûr, je gagne. Connors leads 4-1. Il mène 4-1, mais là, je dis plus rien. Plus rien parce que au set précédent je me suis tellement trompé. Et il est vraiment exceptionnel de vitalité. Ah, c'est un gagneur. C'est un gagneur ce Connor. Ça vous jamais battu. Et il doit être heureux. Il doit savourer là les jolis points qu'il réussit. Time. Seats quickly, please, behind the courts. Il y a Monsieur McEnroe père qui vient d'arriver. Il est un peu au renseignement probablement. Puisque son fils demain soir jouera la finale face au vainqueur de cette demi-finale. Club 15, ladies and gentlemen, again I ask you, while the ball's in play, if a player hears an out, he may stop on the ball and it may be very critical. Please give them both a break. Thank you. Ça, le public a tort de se comporter comme ça. Qu'il encourage Connor, c'est tout à fait naturel, mais pas au point de gêner Landon, ça c'est pas bien. Oh là, je pense que Landon est en train de balancer. J'ai l'impression que le pauvre Ivan Landon est un peu en train de se décomposer là sur le tour. Ça fait 0-30. Et quand même, il doit se passer pas mal de choses dans sa tête là en ce moment. Thank you.
mérité, parce que faut pas oublier que pour faire un spectacle, il faut être deux. Hein. Et que Lindell a sa part du spectacle. 40 francs. Gay Wendell. Voilà. New ball, please, bring in the ball. Croisé pour Lindell. Connors leads 4-2. C'est pas énorme. C'est pas énorme. En tout cas, cela fait 4 jeux 2 pour Connors qui va servir avec des balles neuves. Connors qui a fait jusqu'à maintenant 4 raies contre 3 seulement à Lindell. Et Lindell qui a fait 4 doubles fautes. Et Connors qui n'a pas commis une seule. Ça prouve à quel point il est en jambes, Jimmy Connors. Oh, il tellement bien sur la balle. Alors que ça va vraiment très vite. Regardez. Bon replacement et puis là tout de suite bien placé. Et hop, l'accélération. 40-0. Connors leads 5-2. Et voilà, Jimmy Connors qui ne paraît pas du tout éprouvé, outre mesure. Reprend son souffle, il va boire un petit peu. Quand on sait à quel point ce genre de surface est éprouvant pour les muscles, pour les articulations. Time. Seats quickly, please. Ça fait exactement 2h et 36 minutes qu'ils sont sur le court, à jouer à une cadence pratiquement infernale.
je suis très très admiratif de ce que fait Connor. À 32 ans, ça n'est pas âgé, mais pour un joueur de tennis à ce niveau-là, il y en a beaucoup qui, après une belle carrière en simple, se reconvertissent dans le double pour continuer quand ils ont la trentaine. Et bien Connor continue en simple. Deux balles. Première balle de Lendl était bonne, elle a été annoncée faute. Et 15-0. Bien joué, 40-0. 14-0. Le rythme de ce match ne baisse absolument pas. On a aperçu John Kiriak, là, tiens, en bas à droite. De Lendl, mais Connor se mène 5-2 à 3. Il va servir pour la qualification pour la finale. Pour une place en finale. Je suppose qu'il doit y avoir dans l'assistance, il doit y avoir Elie Nassaz qui a été aperçu ce jour-ci et il va voir son ami Connor se jouer. Il est là. Je pense qu'il doit être ravi de la façon dont Jimmy Connor mène son match. Cette démonstration qu'il fait. Ah. 0-15. Up 15. En 15. Ah!
Branche partout. Ready on. Elle est difficile à jouer cette balle. Vous voyez comme elle retombe, hein, vite. Elle joue en, pratiquement en volée basse en pleine course. Ranta. Un peu d'assouplissement là. Quelques raideurs peut-être dans la nuque. Il y a de quoi, hein. Rampe partout. Ce que vient de faire Lindahl. Ah, voilà Lindahl qui a eu, dans ce set, Lindahl a eu une seule balle de jeu sur le service de Connor. Et il en a profité grâce à ce magnifique passing shot. Voilà qui prend à son tour le service de Connor. Alors Connor mène 5-4, mais ça va être au tour de Lindahl de servir. Seats quickly, please. Let's go, gentlemen. Thank you.
Mal qui a rebondi très très haut. Ça a surpris Connor. C'est que l'a fait 40-0 pour Lendl. 3 balles de 5 partout. Et voilà. Lendl qui revient à la hauteur de Connor. 5-2 partout dernièrement. Service Connor. C'est la première fois que c'est une rencontre aussi acharnée entre les deux joueurs. Il n'y a jamais eu entre eux un score aussi serré que celui de ce soir. Superbement ajusté cet appui de revers. Court croisé, retombant derrière le filet. Avec en plus énormément d'effets dedans. Deux angles opposés. Et cela fait 15-40. Game level. Et la balle est sur la ligne. Lendl. Lendl leads 6-5. Quatrième jeu d'affilée. Et qui va servir à son tour pour le match. Ah, c'est terrible hein, pour Jimmy Connor. Là, déjà au set précédent, mène 4-1. Et il ne gagne qu'au tie-break après avoir sauvé une balle de match. Là, il mène 4 jeux à 1, puis 5 jeux à 2. Et il se trouve maintenant mené 6 jeux à 5. Et c'est bizarre, parce que, voyez-vous, c'est la deuxième fois dans leur rencontre
que dans un match au meilleur des trois manches, ça va justement en trois manches. Gun. C'est la 15e fois qu'on rencontre dans un match au meilleur des trois manches, et c'est seulement la 2e fois qu'une rencontre entre eux atteint la 3e manche. Chaque fois l'un des deux avait gagné en deux sets. Bon, c'est sur la ligne et ça fait 15-0. 15-1. Ah, il joue son bateau, là, Jimmy Connor. Et Landon n'avait pas été suffisamment déplacé, déporté par cette balle. Il est passé facilement. Retour sur la 13-15. 35. Ah ouais, c'est bien deux balles de match pour Ivan Lendl avec un Connor qui réchappe sans réaction sur ce revers qui allait très vite évidemment. Il était certainement pris un petit peu à contre-pied parce que Lendl jusqu'à maintenant lui jouait systématiquement le coup droit, sachant pertinemment que son coup droit de Connor est moins bon que son revers. Terminé en 2h55 minutes. Victoire donc de Ivan Lendl, 7-5, 17, 7-5 dans un match tout à fait étonnant, à la fois par les rebondissements par la qualité du jeu et par cette éternelle vitalité que dont fait preuve Jimmy Connor. Bravo Ivan Lendl. Qui a réussi à se qualifier pour la finale. Il va pour sa quatrième victoire d'affilée, sa quatrième finale d'affilée dans ce Masters. Et face à John McEnroe.